arrivé ici en 1964. Donc déjà à cette époque-là, je n'écrivais plus de musique, mais je peignais, je gravais, je dessinais d'une façon assez considérable. C'est en somme ma collection personnelle. Ce ne sont sûrement pas les moins valables des tableaux que j'ai peints qui sont sur ces murs. Ce qui m'intéressait, c'est la figure, l'expression, exprimer certaines choses. C'est une œuvre, surtout, qui n'est pas du tout appréciée par tout le monde. C'est sombre, c'est pas gai, c'est pas abstrait du tout. Je n'ai jamais rien fait pour plaire au public. Je n'ai jamais rien fait non plus pour le choquer. J'ai voulu m'exprimer le plus foncièrement possible. Il est de nature sobre, sombre, pessimiste peut-être, très religieux. Je suis très croyant, mais je le prouve parce qu'il y a une dominante de sujets religieux dans cet ensemble. Enfin, j'espère que je ne suis pas bigot. Chaque peintre a ce qu'on appelle sa palette, sa facture, son écriture quand il dessine. J'espère que la mienne se reconnaît. La facture est remarquable. Je crois que c'est la simplicité du tableau, la couleur. Elle est un maître de couleur. Tous les tableaux montrent ça. J'espère que mes œuvres auront un destin heureux. En tous les cas, celles qui sont ici ont un destin heureux, je crois. Parce que la présentation est magnifique. Après, ça ne me regarde plus. Moi, j'étais là pour pondre.